Yo, mama, Avant de te répondre, tu sais, ma vigile,
Il faut qu'on apprenne à se respecter. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Et je vais te répondre. Mais d'abord, je vais répondre à quelqu'un. Petit Tiesco. Petit Tiesco. Ouais, mange que des respects. Tu dis que moi, je ne suis pas de la famille. Je n'ai pas affaire à toi. C'est celle qui t'a dit que je ne suis pas de la famille, là. C'est à elle que moi, j'ai affaire. Tu vois? Lolo, dans le mariage, ça là, j'ai voulu acheter un magasin à Manhattan. Un magasin de produits cosmétiques à Manhattan. C'était cadeau. Cadeau de mariage. Je ne vais plus faire ça. Je voulais acheter une Range Rover pour toi. Velar. Je ne vais plus acheter. Parce que tu as permis que ton futur plaisantin, qui me manque de respect, ton petit futur plaisantin, là, ou bien parce qu'il a porté barbe, alors il croit qu'on a même âge. Tu lui permets de me manquer de respect. Vers là, tu vas voir ça dans la télévision. Mais je ne vais plus t'offrir ça. Jamais. Je vais acheter. Et puis je vais te montrer quoi. J'ai dit, Lolo, tu vois, non? Ça, c'était ton cadeau de mariage. Et puis il reprend ça, puis il m'a déposé ça chez le dealer. J'ai dit, monsieur, merci, hein, reprenez votre voiture. Immeuble que j'ai voulu construire. Immeuble que j'ai voulu construire. Comme ton cadeau de mariage à la Riviera. Je ne vais plus te donner ça. Tu comprends maintenant? Parce que moi, je n'aime pas les foutaises. C'est-à-dire que moi, on ne lui a pas dit que je suis le douteux. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle douteux? Petit, ta barbe là, t'as pas fait réfléchir. Tu sais ce qu'on appelle douteux? D'abord même, normalement, avant que toi, tu me dises que même tu vas épouser Lolo Beauté, tu dois ramper de Yopougon à Cocody en passant par Biétry. Normalement. Je n'ai pas dit que tu dois marcher. J'ai dit tu dois ramper normalement. Parce que c'est moi qui ai demandé ça. Et tu dois faire tout ce que je demande. Parce que c'est moi qui décide si Lolo doit se marier ou pas. Parce que tu vas m'énerver, je vais mettre fin à ce mariage. Oui, tu vas m'énerver et je vais dire, je mets fin à ce mariage. D'abord, un, on t'a pas dit que moi je vérifie les kikis avant que tu ne te maries à ma soeur, je dois vérifier ton kiki. Est-ce qu'il est coupé? S'il n'est pas coupé, tu ne maries pas ma soeur. Jamais. Ça fait un. Je dois voir le poids et la taille. Parce que ça sert à rien de venir dans la famille des gens pour chatouiller les gens. Ça se fait pas. Chez nous, là, on fait pas ça. Mais comme tu dis, je suis pas de la famille. Ce type-là, lui qui a tête, on dirait pioche, là. Marco Pingouin, là. C'est lui qui t'a dit, non? Que je suis pas de la famille, non? Voilà. Mais il te dit, lui, c'est mon petit frère. C'est lui qui me suit directement. Voilà. C'est mon petit frère. Mais comme sa tête, là, on dirait Baka mal cuit, là. C'est ça qui fait qu'il parle beaucoup. On dirait Chihuahua. Donc, il n'a pas pris la peine de te dire la vérité. Mais il faut te renseigner. Va chez Mimi Beauté. Elle va te dire qui est l'aîné de la famille. On va te dire qui est l'aîné de la famille. C'est moi qui décide. Si elle dit à mariage, à mariage. Si elle dit à pas mariage, à pas mariage. Donc, faites vos bêtises là. Moi, je vous attends. Je suis là au Carrefour. Je suis là au Carrefour. Donc là, tu vas payer ça. D'abord, un, on ne t'a pas encore donné liste de dot, et puis c'est toi qui parles beaucoup. Est-ce que toi-même, tu as déjà vu liste de dot, là? Quand tu ne connais pas liste de dot, et puis tu viens, tu parles. Mon petit, tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur de la mort. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire enfant sacrifié. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on dit que l'enfant, là, il est suicidaire. Parce que toi, tu t'avais épousé femme. Quelqu'un sort quelque part là-bas, il dit, je suis famille. Tu sais pas pourquoi il dit ça. Tu n'as rien dit. Tu dis, moi, je ne savais pas. Oh. Moi, je ne savais pas que ta famille là. Parce que moi, c'est celui que je connais. C'est celui qui a tête, on dirait pioche là. C'est lui que je connais. On ne parle pas comme ça. On dit, ah ok, j'ai compris. Et puis, on prend les informations. On t'a pas dit que c'est comme ça, en fait. Mais toi, tu prends pas information. Et puis, jusqu'à la femme là, elle tire ton bras. Elle dit, chut, petit, tais-toi. Tais-toi. Tu connais pas tout le village. Tu es arrivé, on t'a donné à soi devant le village. Est-ce qu'on t'a donné à soi sous la parabole? Tu es arrivé là. On t'a donné à soi devant le village.
à l'entrée du village. Tu n'es même pas encore arrivé au bout, tu ne sais pas qui est qui. C'est toi qui parles fort. En plus, je vais te dire une chose. On ne porte pas chemise carrelée pour aller donner fleurs à ma lolo. Jamais. Mm-mm. Chemise carrelée. Qui t'a dit que c'est toi là ou bien c'est CM2 qui a fait? C'est CM2, donc tu t'en vas prendre l'habit de CM2, habit de ta petite soeur, robe de ta petite soeur, tu t'en prends ça, habit carolé, et puis tu fais chemise avec, et puis tu viens, tu dis que toi tu vas épouser Lolo, et puis tu viens avec fleurs. Non, chérie, tu sais, je t'ai envoyé fleurs. On t'a dit que nous sommes moutons chez nous à la maison. Qui t'a dit que nous là, ces fleurs on mange? Tu peux pas appeler, tu peux pas acheter poulet? Est-ce que toi, tu ne peux pas acheter poulet pour donner à Lolo? C'est... Tu t'en payes herbe pour donner à Lolo. Quand tu la regardes là, elle ressemble à herbivore. Non, c'est son où tu as vu et puis tu as pensé un seul instant. J'ai dit un, je n'ai pas dit deux. J'ai dit un seul instant que elle là, elle pouvait ressembler à herbivore. Qui t'a dit ça? Tu n'as pas vu quand tu t'es déplacé, tu es pas même dans ton quartier là, on va pas Sukuya. Dans ton quartier là, on va pas Pokofu. Dans ton quartier, il n'y a pas un rognon à spaghetti. C'est, tu t'en vas prendre les fleurs du voisin dans son jardin et puis tu viens, tu dis que non, c'est ça, tu vas donner à moi, ma soeur. Vous, ouais, non, vous les enfants comme ça, c'est comme ça vous faites et puis vous ne vous mariez jamais là. Parce que quand vous avez eu l'unique femme de votre vie pour marier la fille la plus riche de la Côte d'Ivoire, quand vous avez eu l'unique femme de votre vie pour marier maman à deux avions, c'est comme ça que tu as fait et puis tu as perdu ta chance. C'est comme ça que tu as fait et puis tu as perdu ta chance. Parce que tu ne sais même pas que dans la famille, il y a des gens qui ont déjà payé bateau. Et puis ils ont mis ça là pour le prochain mariage. Pour faire cadeau de mariage. Toi, tu ne sais pas ça. Et toi, tu viens, tu parles beaucoup. Avec chemise carolée, on dirait enfant de CP2 qui va aller... À l'école, là, c'est ça, tu viens. Chemise, là. Attends, il faut changer. Tu ne sais pas porter costume. Il n'y a pas costume dans ta garde-robe. Est-ce que, non, dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas costume, il n'y a pas cravate, il n'y a pas chemise blanche, il n'y a pas costume noir. Tu t'as porté chose de CM2 à Carole. Les filles de CM2, là, leur chose, robe de chose. Tu allais déchirer habit de ta soeur. Et puis, tu t'en vas, tu fais coup de ça. Et puis, tu viens, tu dis, là, tu achètes chose herbe, comme si tu étais dans la brousse. On t'a dit que nous vivons dans les eaux. Quand tu as regardé, quand tu es venu à la maison là-bas, là, est-ce que tu as vu qu'on était, ça ressemblait aux eaux? Tu n'as pas vu que c'est des humains que tu as trouvés? Quand tu es venu là, c'est pas de l'eau qu'on t'a donné? Quand tu es venu à la maison, est-ce que tu n'as pas mangé? Quand tu étais en train de manger avec elle là, ce que tu mangeais là, tu as vu herbe dedans? Ou bien tu as vu quelque chose qui ressemble à herbe dedans? Et puis toi, tu as venu, tu as dit que non, que nous, comme nous sommes herbivores, comme on est con, c'est pourquoi on t'a donné femme, non? Donc, quand toi, tu as nous montré que nous, on est trop con là, tu prends maintenant herbe pour nous donner, nous, on n'a qu'à manger bien. C'est ça, non? Nous, on n'a qu'à manger herbe là, parce qu'on est trop mouton, quoi. On est trop mouton, on t'a donné femme pour nous remercier, nous, on n'a qu'à manger herbe. C'est ça, non? C'est pas toi, mais c'est Lolo. C'est à elle, j'ai affaire. C'est elle, je ne sais pas comment elle a réfléchi. Elle a vu tous les milliardaires. Elle a vu tous les milliardaires de Côte d'Ivoire. Au lieu d'aller au moment où Dili Arafat était là, au lieu d'épouser Dili Arafat, aujourd'hui, on en a avant tous les milliards. Tu as laissé Dili Arafat, tu dis que non, c'est Barbu là que tu vas épouser. C'est Barbu là que toi, tu as vu pour épouser. Lolo, je t'avais dit, j'étais bien prévenu. J'ai dit, Alpha Blondie est là. Type là, il est riche. Va épouser Alpha Blondie. Tu dis non, tu n'aimes pas qu'il a cheveux blancs. J'ai dit, laisse affaire des cheveux blancs là. Va épouser type là. Tu dis non, tu ne veux pas. J'ai dit, hé Lolo, tu vas nous tuer. C'est à quel moment nous on va sortir des galères? C'est à quel moment on va sortir des galères? Faut faire chose. Moi, je ne savais pas qu'en ce moment j'allais devenir riche. C'est maintenant que je suis devenu riche. Mais à ce moment, au moment où je te parlais là, je n'étais pas encore devenu riche. J'ai dit, rentre ta famille là. Alpha Blondie est là. Tu dis non, il a cheveux blancs. J'ai dit non. Toi aussi. J'ai dit, faut épouser Ahmed Bakaoko. Tu dis non, il est trop grand. J'ai dit, mais attends, cette fille-là même, elle a quel problème au juste? Toi-même, on dirait, tu n'aimes pas. Hein? Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Mais tous les conseils que je t'ai donnés, tu n'as pas suivi. Tu allais prendre quelqu'un qui est barbu. Mais c'est un boxeur. S'il n'y a que les boxeurs qui sont barbus, tu as déjà vu quelqu'un qui est barbu, il s'en prend une robe de CP, de CM2 de sa soeur, il s'en accoude, et puis après ça, c'est chaud, il prend herbe pour venir te donner.
Tu n'as pas vu un juif qui il nous a insultés. En plus, c'est lui qui vient, il ne connaît pas encore tout le village. Il ne connaît pas encore les rouages. C'est lui qui parle. Blah, 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 blah. Garçon qui parle trop comme ça, c'est pas bon. J'étais prévenu, hein, Lolo. Lolo, j'étais prévenu, hein. Mais attends, je vais appeler Mimi. Ouais, ouais. J'ai appelé ta grande soeur, Mimi. Voilà. Parce que apparemment, comme je suis calme, je ne vous ai pas encore yougou yaga. Je vous frappais. Quand on était petit, là, je vous frappais, non? Voilà. Comme il y a longtemps, ça fait plus de 20 ans, je ne vous ai pas encore touché. Donc vous pensez que chacun peut faire ce qu'il veut. Vous pensez que chacun peut s'élever. Et puis non, vous avez trop grandi, quoi. Parce que vous êtes devenu. Parce que vous avez un peu de poil maintenant. Vous pensez que vous êtes trop arrivé. Vous avez oublié. C'est la terreur qui est là, la menace. Bob Lee, la terreur. C'est Don Giovanni. Vous avez oublié? Quand on était petit, là, il vous donnait coup de pied, coup de tête, coup de dos. Même j'ai des jambes de mollet, je faisais sur toi. Tu as oublié ça? Est-ce que tu as oublié? On dirait que tu as oublié un peu. Il a te rappelé ça. Chose là, où tu as pris ça, il faut ramener ça là-bas. Ta chose là, où tu as pris, il faut ramener ça là-bas. Il faut nous envoyer quelqu'un. Tu as vu Macron? Tu n'as laissé Macron là-bas, en France là-bas. Tu n'as pas vu Élysée là. Pourquoi tu as laissé Macron? Et puis tu dis que non, c'est. Tu as venu, tu as pris Babu. Tu as pris pas Babu, pas Babu. Tu as fait quoi, pas Babu? Hein? Il va venir manger tout le riz qui est dans notre assiette là. Lui, là, c'est un lutin de riz à midi. C'est lui, tu t'en prends, tu dis, tu as fait quelque chose. Non, ça, c'est les choses, on ne fait pas. C'est pas normal. Quand tu le regardes comme ça, tu ne vois pas que lui, là. Si on dit midi, ben, jusqu'à midi, toi, nourriture est finie d'assiette. C'est pas ça. Quand tu le regardes, là, tu ne vois pas que c'est ce que ça veut dire. Et c'est comme ça, quelqu'un comme ça que tu vas nous envoyer. Alors qu'Alassane Draman Ouattara est là, type là, si tu as frotté un peu sûrement un peu, tu as pris ta main, tu as frotté un peu sur sa calvitie là, c'est fini, les millions vont tomber. Tout cacao de Côte d'Ivoire, ça va devenir pour nous. Tu as laissé Alassane Draman Ouattara, tu dis c'est pas Babu. Tu vois, tous les gens qui sont riches là, tu vois, est-ce qu'ils ont Bab? Ils n'ont pas Bab. Type là, quand tu as vu Bab là, faut savoir que c'est pauvreté. Ben, tous ceux qui ont l'argent dans le pays là, sont pas barbus. Afa Blondi n'a pas Bab. Oufou Boigny n'avait pas barbe. Bédier n'a pas barbe. Alassane n'a pas barbe. Gabo n'a pas barbe. Tu ne vois pas que tous ceux qui ont l'argent dans le pays, là, ils n'ont pas barbe. Toi, tu as regardé ça et puis tu t'en prends quelqu'un qui a barbe. Ça veut dire que tu t'es trompé de garçon, ma soeur. Il faut retourner vite, vite, avant qu'il ne soit tard. Il faut retourner. Ah oui, oui, il faut retourner. Tu ne vois pas Hassan Ayek. Il est en train de distribuer l'argent. Est-ce que tu vois Hassan Ayek, il a barbe, non? Ah, tu as vu, c'est pourquoi il est pauvre. Il a barbe, c'est pourquoi il est pauvre. Non, je ris pas, hein? Je toussais. Je suis pas en train de rire, je toussais. Voilà. Je toussais. Ton pas Babu là, où tu l'as enlevé là, faut le ramener. Hein? Où tu as enlevé ton pas Babu là, faut le ramener vite, vite même, avant qu'il ne se trompe pas. Parce que tu sais que comment je suis fâché là. Coup de tête, coup de dos, coup de pied, coup de mollet. J'ai des jambes de mollet, tout ça là, j'ai fait. Voilà. Même. J'ai les jambes de tibia, j'ai fait. Tout ça, j'ai fait. Donc, avant que je ne me fâche. Voilà. Parce que lui, là, il dit que c'est tête pioche que lui seul, il reconnaît comme membre de la famille. OK. Que moi, il ne me reconnaît pas. Il a lui montré. Il a lui montré que tant que moi, il ne donne pas mon OK, femme, là, il ne marie pas ça. Parce que nous, là, nous ne sommes pas des herbivores. S'il veut, là, ses fleurs, là, j'ai gardé ses fleurs ici. Il a lui donné. Il n'est pas venu prendre. Parce que nous, on n'est pas herbivores. Il n'est pas venu prendre. Il a lui donné ça. Voilà. C'est comme ça, ça y est. Bon. Maintenant. Il y a quelqu'un qui a appelé Babadé ici. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Non, je ne vais pas mélanger ça. Ça là, ça mérite une vidéo demain. Je vais faire ça là pour demain. Voilà. Donc, ça là, on va s'arrêter ici. Voilà, on va s'arrêter sur Pa Babu. Pa Babu, il ne faut plus jamais me manquer de respect. Sinon, femme là même, tu ne vas même pas voir ça avec tes deux yeux. Tu n'as plus jamais voir ça. Ben vous là, vous êtes dans une sorte de modernisme, non? Je m'en fous des parents, c'est Mago et moi, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce que moi, voilà. Voilà, moi, je m'en fous de tous les parents. C'est comme ça que vous faites, hein? Vous les enfants de maintenant, vous êtes impolis. Vous n'avez pas dit que vous ne respectez pas chez comme les grands frères? Vous n'avez pas dit que vous ne respectez pas parents? Il y a enlevé ça dans tes yeux. Faut faire encore une seule vidéo. Une seule vidéo. Tu vas voir, il y a descend à Bidjan là-bas, il y a prend femme là, puis il est parti avec elle. Il la prend, puis il la dépose en France là-bas. Et puis, il voit comment toi tu as venu en France. Ouais, il paraît que tu as papier français. Donc, je la dépose même pas en France. Il l'a amené en Australie. Il voit comment tu es arrivé en Australie là-bas. Petit là. Respect, hein. Si c'est moi, je vous laisse.
Ciao.